Tellement intelligent qu'il faut en parler au monde entier. Nouveau. Efficace et agit rapidement. Et pour se faire connaître et reconnaître, il faut que le produit ait une image forte. Il faut étonner, il faut sortir du lot. Logo, personnage, mascotte, il faut participer. Il faut les guillemets, il faut les guillemets, il faut les guillemets, il faut les guillemets, avec le processus industriel parfois. C'est ce que nous appelons la vie. Par où faut-il commencer pour être numéro 1? Il est inédit tous les enfants de la promotion. Et vous êtes où vous venez, mais on est là pour toi. J'essaie d'attirer l'attention des clients sur nos produits. Tout d'abord, respectez le téléspectateur. Le client va être plus proche et pourtant. Quand on a acheté quelque chose, nous souhaitons savoir de quoi il s'agit. Mais on va acheter du rêve. Dans votre monde, c'est quoi? Mais dans mon monde. Le premier réflexe est d'allumer la télévision. Dans mon monde, quand on regarde la télévision, après on a un creux dans la télévision, vu que tu fais qu'à ça. Quel est cette sage ça vous sert à consommer les petites assurances? Pouvoir d'achat, vous êtes un patient. La publicité, c'est pas des prix, mais c'est la télévision. On a passé une ligne représente la télévision cash. La télévision cash, dans l'entrée, en le sens, vous êtes mon sujet cash. Moi, je pense que la chaîne en France serait plus compliquée. Chez nous, la satisfaction de la clientèle ne suffit pas. La satisfaction se dépasse. Il y a des milliers de sociétés dont le but est de satisfaire. Nous voulons que le client soit enchanté. Pour que ses rapports avec nos téléphones ou à sa porte soient pour lui un véritable enchantement. Ce qui me tient à cœur, c'est vraiment que ça change. C'est vraiment que. Pour arrêter de se foutre de la gueule. Parce qu'on nous manipule, on nous ment, on nous lobotomise l'esprit. Et moi, je dis, moi, ça me fait mal au cœur déjà. Ça me tue. Parce que. On fera un autre débat sur ce thème-là, mais bon. Le débat, quelque part, il est binaire, quoi. Je veux dire, tes paroles, quelque part, elles confortent un camp ou un autre. De toute façon, quoi qu'il en soit. Ce qu'ils voient dans le petit écran les fascine. Pourtant, certains sont tentés de prendre des risques. Nous vous demandons, monsieur le président, mesdames, messieurs les conseillers, de nous faire confiance. C'est des gens dont les actes ont des incidences sur nos vies, d'une certaine manière. Donc ils sont en droit, on est en droit de demander des comptes à ces gens-là. Ouais, l'énigme, elle commence maintenant. Qu'est-ce qui te touche dans le monde entier? Rien. Au terme de l'expérience, les uns étaient déçus, les autres étaient morts ou fous.